Cinquième mission, salut à tous, c'est Tiob. Aujourd'hui, Virility, donc si je me souviens bien, c'est le nom de la boisson. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va aller dans les labos de Virility. Enfin bon, je sais déjà qu'on va aller dans les labos de Virility. Toujours pareil, faire triple S pour avoir le succès. Tous les succès Steam, c'est parti. Je suis venue ici quand j'étais petite. J'avais pu tout explorer sans me faire remarquer. J'ai senti un démon sous l'usine. Très ancien. La succube. On pense que c'est elle, la source de l'ingrédient psychotrope qu'ils utilisent pour nous contrôler. Bienvenue dans l'usine de Virility. C'est l'ingrédient secret de Virility qui en fait la boisson préférée du monde entier. De plus, les tests scientifiques ont prouvé qu'une consommation quotidienne améliore de 21% la perte de poids et de 63% les performances. T'entends ça? Comment les gens peuvent gober ces conneries? Si on te répète quelque chose assez longtemps, tu finis par le croire. On me disait que j'étais folle de voir des démons. Ouais. Moi aussi, ils m'ont fait passer pour un cinglé. Ils voulaient me mettre sous traitement. Soi-disant pour me guérir. Tu parles. C'était pour que je reste faible. Et docile. Comment tu t'en es sorti? Vergil m'a tiré de mes cauchemars. Et toi? Quand les gens en qui on est censé avoir confiance se révèlent être d'atroces démons. Les masques tombent et le mal apparaît partout. Je n'ai pas plié. J'ai riposté, tué, quelles que soient les conséquences. J'ai choisi ma route et tracé tout droit. Après tant de colère, de violence et de mort, il faut scruter son âme, sonder son cœur. Pour savoir si on est lucide. Pour savoir si on est encore humain. Je savais au fond de moi que j'étais pas cinglé. Mesdames et messieurs, voici l'endroit où sont mélangés les ingrédients magiques qui donneront le goût inimitable de Virility. La succube est dissimulée au cœur de l'usine, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de l'atteindre depuis notre monde. Il faudra passer par les limbes. Il y a une faille à l'intérieur. Croyez bien que tout a été contrôlé et approuvé par les scientifiques les plus compétents et les plus intègres. Virility est un vrai trésor national. Un trésor national, ouais, d'accord, c'est une boisson quoi. Par ici, je crois. T'as dit que t'es déjà venu ici? Ouais, mais c'était pendant un voyage astral, il y a des années de ça. Tu volais sous forme d'esprit? Ouais, dans les limbes. D'après Vergil, c'est un formidable outil d'espionnage, mais je peux pas le faire à volonté. Alors, comment tu t'y étais pris? C'était déclenché par des psychotraumatismes extrêmes. Les cauchemars. C'est quoi ces cauchemars? C'est du passé maintenant. Un peu de repérage. Allez, cache, je te suis. Mais la seconde. C'est ici qu'ils stockent la marchandise avant de l'exporter. C'est bizarre. Quoi? Je pensais que ce serait plus grand. Ça m'étonne. Enfin, j'étais dans les limbes, c'est peut-être différent. Et puis j'étais une gamine. Qu'est-ce que tu faisais? Je fuyais mes cauchemars. T'es venu dans les limbes pour fuir tes cauchemars? Ouais. Eh bien, ça devait être des sacrés cauchemars. Tu te joues. Une fois dans les limbes, tu n'auras qu'à revenir sur tes pas pour arriver à la salle des mélanges. Ça devrait pas être trop dur. Peut-être. Mais les démons pourraient sentir ta présence dans les limbes, alors sois prudent. Et une fois dans la salle des mélanges? De là, tu pourras descendre au niveau inférieur de l'usine. Et me faire une succube. Oh, bien assaisonné, ça doit passer une succube, non?
Ah oui, c'est à moi de t'emmener où il faut, purée. Ok, c'est là. Parfait, on se retrouve de l'autre côté. Il y a un peu plus de place. Dante ? Je suis en bas. Ah, bien. T'as raison. Dans les limbes, c'est beaucoup plus grand. Et maintenant ? Repars à la salle des mélanges. Je t'y rejoindrai. Ah, faut remonter du coup. Obésité, stupidité, buvez virility. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Poison, d'accord. S. Oui. Wow, popopo. Coucou, je panier, les gars. Ah! Je peux pas réussir à l'esquiver, tu vois. Ah, zut. Et encore? Ah non. Pourquoi ici? On va bien essayer de compléter un maximum de... Tuer un maximum de mobs. Pour réussir à faire le succès. Alors là, j'aurai pas beaucoup des mobs. Wow. Salut, joli bouclier. Hey, pourriez m'indiquer la salle des mélanges ? Oh bah le salaud, dis. C'est bon, t'as fini, non? Voilà. On va se débarrasser petit avant de se débarrasser du gros. Oh, il m'a touché. Oh le salaud. Aïe. Ah merde. Oh, oh. Voilà.
Voilà, ah bah il y a encore plus d'étages. Hein. Ah. Est-ce que ça suffira? Alors, voilà. Oups. Oh, gauche, droite, droite, gauche. Allez, on va changer un peu de côté. Ouh, ça va passer loin, ça. Allez, on va tester. Il n'y a pas d'autre chemin. Je pense que c'était sensiblement le même. Aïe 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 aïe. Oh, et c'est du feu ça, c'est ça chauffe. Non mais quelle idée. Oh là là. Donc là, faut en tenir un occupé pendant qu'on défonce l'autre, quoi. Voilà. Oups. Voilà. Encore un piège, comme c'est étonnant. Oh mais il y a du monde là, oula, il y a du monde là. Alors, on fait deux fois la même, ça devrait suffire. Non, on prend les mêmes, on recommence. Hop 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 là. Voilà, on essaye un peu ce qu'on peut comme ça. Oups. Même principe hein, que tout à l'heure. On en occupe un et on tape l'autre. Allez, on enchaîne. Voilà. Carrément. Oh là, oh ça pue ça. Il était fort celui-là. Au moment qu'il sait qu'il était peut-être un petit peu loin, à gauche, droite, droite, gauche. Non merci, ça m'intéresse pas. Ouais d'accord, en fait il n'y a pas de portée cette arme. Faut vraiment la mettre le plus près possible. Alors je sais pas où c'est. Ok non, c'est par là apparemment. C'est par là aussi. Voilà. Et voilà, c'est puissance contre puissance, on va changer d'arme parce que là ils sont deux. C'est là.
sais pas du tout si c'est là, on va dire. Ah, ça a l'air. Alors, qu'est-ce que... Ah, merci. C'est un beau mélange. Ok, j'ai rien dit. C'est pas très très beau ça, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah ouais, d'accord. Mmh. J'espère que tu kiffes ce que tu bois, toi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le délire? Le processus de mélange. Mais c'est la source qui nous intéresse. J'imagine que notre succube est à l'autre bout. Tout à fait. Par ici. Dès qu'il faut aller quelque part. Ah! Il y a un petit manque. Ah, ça pique ça. Ah! Zut. Ah, faut que je me esquive. Ça se galère apparemment. Voilà. Brutal, je vois pas de quoi. Ah, ah, ça crame. Ouais, il m'apparaît le salaud. Bon, bah écoute, hein. Il y en a deux là maintenant à la fin. Ah bah ça va être compliqué là. Ok. Allez, doucement. Voilà, on profite qu'il soit bloqué par son pote. Hop. Aïe aïe, ça pique ça. Ça picote. Ah, mais apparemment il se prend aussi des dégâts de là. Allez, on enchaîne plus vite que ça. Voilà. Félicitations, tu gagnes. Alors, il faut aller là-bas. Non, ça va? Toujours suivre 4. Ça? Non, c'était juste un gros tas. Allez, viens. On va se la faire cette succube. Yeah. On va se faire une succube. Mais ce sera pour la prochaine mission, apparemment. Mission terminée. Un de style. Ouais, pas ouf. Hein. 300 000. Le temps, il est bon. On va voir si ça passe. Ah, toujours 100% en achievement. C'est ça qui aide. Hein. Mon achievement. Oh, le 20 millions, je l'ai pas. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça me va. Alors, on voit que cette production de Virility là. Est pas ouf. Hein. Je sais pas vous, mais ça me donne pas envie de boire du coca ou des trucs comme ça dans les jours à venir. Ni même jamais. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve à la prochaine mission. C'était Thiob, ciao.